Dans son dernier film, Salo ou les 120 journées de Sodome, Pasolini donne à la première partie de son film le sous-titre Antinferno. Et dans le troisième chant de l'enfer de Dante, on est dans l'Antinferno, le vestibule de l'enfer, face à la porte des enfers. Et son film évolue avec une progression dans l'horreur sous forme de trois cercles, qui correspond au cercle de l'enfer de Dante. Oui, il y a des séquences dans la pièce où on est vraiment dans un univers brutiste, qui est un univers qui m'intéresse et que j'ai traité dans d'autres pièces, et là, qui sont vraiment l'évocation du vestibule, hein, un lieu silencieux, très mat. Hein, on peut imaginer des tentures qui font que le son est très mat, et où on a des bruits qu'on localise pas trop, mais voilà, des frottements, des grincements, des craquements, voilà. Et tout ça est présent dans l'écriture à travers des modes de jeu, du frottement d'archers en étouffant les corps, par exemple, des pressions, du son éolien pour les instruments avant, et les percussions, pareil, voilà, tout un travail sur le frottement avec des instruments à friction, comme la cuica. Finalement, j'ai voulu démarrer la musique avec un peu une surprise. Hein. On démarre par les cordes qui sont dans une danse très très faible, 4P. Un unisson qui va glisser très lentement, hein, qui est déjà une évocation de la circularité, hein, l'entonnoir de l'enfer de Dante. Et cet élément, très rapidement, va être gêné dans la perception par des interventions de la percussion très très forte, 4F. Donc les cordes sont masquées, hein, et puis on va retrouver cet élément de corde qui a déjà fait un petit bout d'histoire pendant ce moment très fort, et on va les reprendre, etc. Voilà, on a ce mode d'écriture dans le début, avec tout de suite une décharge un peu d'énergie un peu inattendue. Voilà tout le début de la pièce. Oui, à ce moment qui est à la fin de la première partie, où les cordes évoquent comme un espèce de tourbillon sonore. Les instruments à cordes jouent en bariolage, hein, c'est-à-dire sur toutes les cordes, en accéléré et un glissé vers l'aigu. Voilà, donc toute la musique se tend dans une direction auquel s'ajoute le 2 crécelles. Qui vont progressivement donner un aspect de plus en plus bruité à cet élément des cordes. Voilà, tout ça de plus en plus fort, jusqu'à se perdre dans le silence et dans le résonance de quelques percussions, qui est un moment de transition vers la deuxième partie.
j'ai voulu évoquer la voix, par exemple avec les cuivres, et l'utilisation de sourdines, qui devient presque une évocation de la parole, quasi par l'emno, ou à travers des instruments de percussion, des instruments à friction, des instruments qu'on frotte et qui émettent des sons qui sont presque des grognements, enfin des choses assez indistinctes comme ça, mais qui évoquent la voix. Et à la toute fin de la pièce, le râle, hein, c'est-à-dire un grognement grave que les musiciens émettent par exemple dans les instruments avant. Et voilà, on entend ça, on a l'impression qu'on entend des voix, on ne sait pas bien, mais voilà. C'était un petit peu la façon dont j'ai voulu évoquer la voix et l'humain à travers la voix dans cette pièce.